de Lomé, c'est super bien. Je suis à Lomé, au Togo. Voilà, je suis dans un cadre purement privé. Mais après ça, on aura l'occasion de préparer la grande croisade de Lomé. Voilà, vous comprenez? Voilà, nous allons préparer la grande croisade de Lomé dans un cadre purement privé. Vous savez, je vous dis une seule chose. Il y a des gens qui... Ne soyez pas des hommes de Dieu de Facebook. Allez sur le terrain pour gagner des âmes. Ne soyez pas des gens de Facebookains. C'est vrai que Facebook est venu là. C'est pour que... Voilà, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Tout le monde utilise Facebook. Tout le monde. Prostitués, délinquants, même brutaux, mais c'est pour eux. C'est vrai que c'est un moyen de communication. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être sur le terrain. Au-delà de Facebook, nous devons aller sur le terrain, gagner des âmes pour la cause de Christ. Et ça, c'est très important. Il a dit « Allez ». Ça, c'est l'ordre suprême. « Allez ». C'est l'ordre suprême. Et faites des nations des disciples. Le but que Dieu veut atteindre, c'est que les nations deviennent disciples de Jésus. Pour que les nations deviennent disciples de Jésus, il faut les enseigner. C'est pour ça qu'il dit « Enseignez-les ». Parce qu'aller dire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité, effectivement, la tombe de Jésus est vide. La tombe de Jésus est vide. Et purement vide. L'humanité a besoin de savoir que Christ est mort à la croix. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qui est vrai. Mais il y en a combien de chrétiens qui évangélisent? Notre milieu même évangélique, c'est un milieu pourri. C'est un milieu où on tue même les zéros. Oui, c'est un milieu de haine, de jalousie. Et je ne sais même pas. Ça dit qu'on ne manifeste même plus l'amour. Mais je ne sais même pas. Ça dit, c'est une question de... On est devenu comme les digues. Où on fait des clashs. L'autre insulte l'autre. C'est comme si... Mon frère, le royaume de Dieu, là, la Bible dit ça appartient aux violents. Il faut se forcer pour entrer. Sauf cela que, frère, il faut aller doucement. Il faut être dans ta vision. Il ne faut pas imiter ou même chercher à faire de la concurrence. Malheureusement, les gens ils pensent que notre histoire de Dieu, le ministère, c'est une question de concurrence. Frère, chacun a sa mission. C'est de faire ta part. C'est de faire ta part. Fais ta part. Fais ta part. J'ai une mission. C'est de faire la tournée africaine. Quand Dieu me parlait, la personne n'était pas là. Personne n'était là. C'est à moi qu'il a parlé. C'est à moi qu'il a parlé. Chacun rendra compte à Dieu par rapport à ses œuvres. Chacun rendra compte à Dieu. Allons-y à l'essentiel, allons-y évangéliser. Pour que notre milieu chrétien, là même, c'est le milieu le plus désagréable. C'est le milieu le plus bizarre. Il y en a combien qui évangélisent? Les gens, ils cherchent des vues comme des DJ sur Facebook. Nous, on est sur le terrain en temps de travail. Moi, je suis en mission en temps de travail, aller gagner des âmes. Des âmes pour le salut, ça c'est très important. Donc il y a des choses qu'on peut publier sur Facebook, il y a des choses qu'on ne fera pas sur Facebook. Vous comprenez? Je suis à Lomé, beaucoup. Oh là, hier même quand j'annonçais dans mon direct que j'étais à Lomé, mais il y a au moins 500 personnes qui sont à Lomé qui m'ont écrit. J'aurais dit calmez-vous, vous calmez déjà, parce que je suis en mission, etc. Moi je suis pas une star. Voilà, je suis pas Jean DJ tout ça. Non. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je sers le Seigneur selon ses recommandations. J'ai une feuille de route. Vous comprenez? Malheureusement, un milieu qu'on a plus peur, c'est le milieu des chrétiens évangéliques. Vous comprenez? Il y a trop de jalousie dans notre milieu. Là. Il y a trop de jalousie. Frère, chacun d'entre nous a été appelé à Dieu pour le servir. Et quand Dieu appelait, là, personne n'était là. Je suis l'homme de Dieu qui a parcouru beaucoup de villages en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est même pas un débat. Parce que l'onction qui est là, c'est ta vie. L'onction, c'est l'approbation de Dieu. Et quand Dieu t'approuve, il y a plusieurs choses. Vous recevez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, si tu es vraiment appelé, ça fait 20 ans que tu es toujours dans un village. Est-ce que tu n'as pas doublé le CPR spirituel de l'école de Dieu? Est-ce que tu n'as pas doublé ça? Parce que si Dieu approuve ton ministère, il va aller très loin avec toi. Il ira très loin avec toi. Il va commencer par Jérusalem.
Il va commencer à tester, à prouver ton ministère dans ta nation d'abord, au côté de ta nation. Et c'est Dieu qui va commencer à t'emmener dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Malheureusement, il y a des gens, ils sont des pasteurs, des prophètes de Facebook. Toi, tu es sur Facebook seulement. On dit d'aller partout le monde. Va au village, toi, prêcher. Et après, le village rentre en ville et c'est dans le monde entier. C'est ce que Dieu est en train de faire, moi. Vous ne savez pas quel sacrifice que j'ai enduré dans ce ministère. Je n'ai pas couru tous les villages. Les gens peuvent tout dire du prophète Crasso. Mais demandez, qui connaît mieux les villages? Et moi, j'ai une notion spéciale, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Ce n'est pas un débat. C'est même pas un débat. Aucun sorcier ne peut me résister. Et ça, j'invite tout le monde à ce débat. Même ici à Lomé, il faut que la chaîne de télévision de Lomé du Togo, s'ils veulent bien, qu'ils invitent au moins 5 sorciers sur un plateau de télé. Et puis moi, je suis là. S'ils ne sont pas morts, si ces 5 sorciers-là ne sont pas morts sur le plateau de télé, j'ai déchiré ma Bible et puis je ne suis plus prophète de l'Éternel. On m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. Frère, combattons la sorcellerie. C'est le mal cruel de l'Afrique. Arrêtons de nous combattre entre nous. On est digués ou bien, on se clash entre nous. Les âmes sont dans les églises, sont en train de mourir. Les âmes sont dans les églises. Et puis moi, il y a même quiconque au défi. Je suis à Lomé. Je suis dans un cadre purement privé. Mais en même temps, j'invite les médias. C'est-à-dire, si vous voulez me voir, peut-être je vais vous accorder une soirée. Vous pouvez choisir 5 sorciers les plus terribles de la ville de Lomé. Hein? Mon numéro WhatsApp, c'est 00-337-55-30-87-48. J'ai envie de faire tomber les sorciers de Lomé, au moins sur un plateau de télé. Tous les vaudoumans. Je vous provoque, c'est important de vous provoquer. Parce que vaudou, là, il n'y a rien dedans. Même si ça vous énerve, c'est la vérité. Il n'y a rien dedans. La sorcellerie, tu ne peux pas vous envoyer au ciel. La sorcellerie est nuisible. La sorcellerie, c'est un mal qu'il faut combattre. Il y en a combien de pasteurs qui parlent ça dans leur église? Tout le monde est sous l'emprise de la sorcellerie. Vous parlez, mais les chrétiens sont possédés. Même les sorciers sont allés même s'asseoir. Ils ont construit leur QG dans nos églises. Il y a combien de femmes qui accouchent à l'église? Les femmes, elles ont fibromes. Tellement que Marie de nuit graisse. Les sorcières viennent faire l'amour à nos soeurs dans rêve. Regardez. Il y en a combien? Les chrétiens même se mettent pour mettre la tête. Parce que la délivrance, on parle moins de la délivrance. L'église est devenue un endroit où des critiques, des jalousies, d'attaques, des palabres. Et le milieu même chrétien, même des hommes de Dieu, là, c'est une question de jalousie. Parce que les gens, comme tu voyages et tu as la notoriété, les gens ils sont jaloux. Je suis à Lomé, j'annonce, je suis là, dans un cadre purement privé. Nous allons très bientôt organiser une grande croisade sur Lomé. Mais je ne suis pas encore là pour cette croisade. Voilà, je suis carrément dans un cadre privé. Mais j'aimerais avoir une rencontre avec les plus grands sorciers de Lomé. Voilà, sur un plateau de télé. Moi, j'annonce officiellement. Voilà. Je veux que vous m'invitez sur un plateau de télé ici à Lomé. Je suis là. Prenez les plus grands prêtres vaudous. Je suis là. Vous voulez Belge? Voici Belge. Vous cherchez Belge. Le maréchal dit, je suis à Lomé. Voilà, je suis à Lomé. Alors, prenez les mangeurs d'âmes. Ceux qui vont parler à l'esprit des eaux sous la mer. Là. Ils n'ont qu'à venir. Je vous lance un défi. Sur un télé, plateau de télé. Voilà, comme ça, je mets en défi tous les sorciers de Lomé. Je reprends. Je suis sur les ressources sociaux. Je vous mets défi. C'est-à-dire, allons-y sur le plateau de télé. Je demande 5. Je ne demande même pas 5. Les plus dangereux, 5 sorciers les plus dangereux de Lomé. Venons sur un plateau de télé. C'est-à-dire, si, je parle à ceux qui mangent beaucoup. Ce n'est pas les plaisantins qui mangent les avortons. Non, non. Ce n'est pas les mangeurs de fœtus. Non. Je mange ceux qui mangent 10 personnes par jour. Vous avez compris? 10 personnes par jour, là, hein? Ou bien 20 personnes par jour. J'ai besoin de sur un plateau de télé ici à Lomé. J'ai besoin de vous cherchez buzz. J'invite toute la presse. La presse
la presse togolaise. Voilà, j'invite toute la presse togolaise. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, je vous dis, le salut se trouve en Jésus, c'est pas un débat. Point. La sorcellerie, il n'y a pas de pouvoir dans la sorcellerie. Point, ça c'est deux. Alors si vous ne croyez pas à ça, je vais produire. Jésus-Christ, là, c'est le producteur de preuves. Donc, je demande, invitez-moi sur un plateau de télé, c'est pas un débat. S'ils sont venus sur le plateau de télé, qu'ils disent qu'ils sont sorciers et qu'ils sortent du studio de la télé vivant, moi je déchire ma Bible, je suis plus serviteur de Dieu. Ah, c'est pas un débat. Les sorciers, ils ont pas de vrais mangeurs d'âme. Hein. Les plaisanteurs n'ont qu'à s'abstenir. Parce que le terrain est minier. Voilà, on parle de maréchal, on parle pas d'un petit sorcier de quartier où tu mets hors tête des gens. Non. Parce que toi-même là, je vais t'écraser vite, vite. Je parle de tous les patrons sorciers de Lomé. Vous avez compris? Vous dites que vous êtes sorcier et vos sorcelleries là, depuis quand la sorcellerie a pu apporter quelque chose à l'Afrique? Donc je reprends encore, je suis à Lomé. Je suis à Lomé. Prêchons l'évangile. Évangélisons, allons libérer les captifs. Parce que le ministère de Jésus, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et libérer les captifs. Les captifs là, pourquoi cette partie là, vous les êtes là? Libérer les captifs. Pourquoi cette partie de libérer les captifs? Pourquoi l'église néglige ça? Cette partie où on libère les captifs là. Et puis nous contractons. Attends, écoutez. La Bible dit: voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents. Mais serpents là, c'est les sorciers. Pourquoi tu les exposes? La Bible dit, je les saisis. C'est ça. Bon, si tu comprends ce verset-là autrement, bon, va attraper une vipère, puis tu viens pour dire, le verset l'avait dit, j'attrape la vipère. J'ai t'acclamé. Vous pensez quoi? La Bible dit, nous allons saisir les sorciers. C'est ce que le verset veut dire. Donc nous, là, nous, on met les, moi, je les mets aux arrêts. Et ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Il n'y a pas un sorcier qui va me regarder droit dans les yeux. Et puis il va dire les sorciers, il va m'attaquer. Il meurt. Son cœur va s'arrêter. Son cœur. Aïe. Mais Jésus qui l'a simple plaisanté. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions, les serpents. Et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Jésus, il veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Ce n'est pas un débat. Lèvons-nous dans nos nations. Pourquoi l'église dort? Nous dormons dans nos nations. Les terroristes sont en train de gagner du terrain. La sorcellerie gagne du terrain. La franc-maçonnerie gagne du terrain. Mais nous, les chrétiens, nous sommes divisés. Nous nous combattons entre nous-mêmes. Regardez comment la prostitution prend de l'ampleur. Comment le cultus. Regardez comment les gens aujourd'hui se donnent au bruitage. Ils vont chercher les porte-monnaies magiques, etc. Parce que l'église a perdu sa place dans les nations. L'église a perdu sa place dans les nations. L'église n'est plus capable d'agir et d'imposer Dieu, d'imposer la Seigneurie de Jésus. L'apôtre Paul dit, ne se reposez pas sur les discours, seulement mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Il faut que la puissance de Dieu soit démontrée dans les nations. Bien-aimés, lève-nous, si tu es vraiment serviteur de Dieu, rentre dans la rue, impose la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous devons mettre tous les mystiques au pas. Nous devons mettre toute la sorcellerie au pas. L'occultisme, La franc-maçonnerie chaque jour recrute les gens pour des loges. Les gens sont en train de recruter les gens. La sorcellerie est en train de prendre l'ampleur. Et nous dormons. Tout ce que nous savons, c'est de nous attaquer entre nous-mêmes. C'est de faire des clashs entre nous-mêmes. C'est de faire des choses. Il y a combien de personnes qui évangélisent? Il y en a combien? Si ce n'est pas créer des confréries. Les églises sont devenues les lieux de confrérie, de sorcellerie. De Congo sale, on critique. L'un lui est bon, lui n'est pas bon. En lui, là, ce que Dieu est avec lui. Mon frère, va dans la rue, va prêcher l'évangile. Il y en a combien qui prêchent l'évangile? Combien d'âmes sont gagnées? Les églises sont en train de se vider. Et d'ailleurs, les grandes églises qu'on dit. Mais il y a plein de sorcellerie dans les églises. La sorcellerie dans les églises. Les nations meurent. Beaucoup d'âmes meurent sans Christ chaque jour. Et vous dormez. Il dit, allez-y, chacun d'entre nous rendra un jour contre Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lui. Frère, tu penses que tu es sauvé.
tu seras grandement surpris quand le Seigneur dit va, je t'ai jamais connu. Parce que tu as laissé mourir quelqu'un là, qui avait besoin seulement de dire Jésus t'aime. Et tu l'as laissé mourir sans Christ. Tu seras fort surpris de te retrouver Satan en fait. Il va te purger. Et avec un sac de piment. Et lui, son purgeon là, c'est le numéro 78. C'est-à-dire, quoi, il va te purger ça. Tu l'as insulté sur la terre, il va t'attraper. Vous insultez Satan. Vous allez le retrouver là-bas. Toi, mec, si tu vous évangélises, combien de gens qui évangélisent? Est-ce qu'on parle même d'évangélisation aujourd'hui? Il dit aller partout. Mais il faut prendre des avions, il faut voyager, il faut aller dans les contrées, il faut aller. On ne peut pas être seulement pasteur de Facebook. Vous voyez? Il faut aller évangéliser. Allons évangéliser. Les hommes vont, mais on s'en fout de. Est-ce qu'on a le temps même d'encadrer les âmes? On n'avait pas le temps même d'encadrer les âmes. On n'avait pas le temps. Non, est-ce que le prophète Crasso, est-ce que ce qu'il fait est de Dieu? Mon frère, je m'en fous si tu penses que ce n'est pas de Dieu. Ton avis ne m'intéresse pas. Ton avis ne m'intéresse pas, mon frère. Tu ne sais pas combien d'âmes je gagne chaque jour pour la cause de Christ. Tu ne connais pas mon intimité avec Dieu. Mon frère, la seule chose, j'ai dit, quand on va mettre un sorcier devant toi, est-ce que tu es capable de lui dire que Jésus est Seigneur? Tu n'auras pas peur de moi, je mets tous les sorciers de Lomé au défi. Je vous ai dit ça. Ce n'est pas un débat. Puis moi, là, c'est un plateau de télé. Voilà. Et puis, je vous dis, les sorciers, là, les plaisanteurs, là, quittez dedans. Hein. Parce que vous allez avoir cancer de cerveau. Hein. Comment se rencontrer, là? Bah, moi, je suis révolté. Hein. L'Afrique a besoin d'être délivrée, à commencer par la libération, destruction des œuvres mystiques, des hôtels sataniques. Voilà. Donc je suis là, le maréchal, je suis à Lomé. Nos sœurs n'arrivent plus à se marier. Même dans les églises, la sorcellerie se pratique. Dans les églises, la sorcellerie, la haute sorcellerie est pratiquée dans les églises. Les gens sont là, c'est sur Facebook. Vous ne gagnez pas des âmes. Vous êtes devenu confléri de afferra.com. Ça y est, à l'église maintenant, c'est là-bas où on critique les gens. C'est à l'église, on parle seulement. Ça, c'est une confrérie. Vous et sorcier, là, il y a quelle différence? Sorcier critique, tu critiques. Sorcier n'est pas amour, toi tu n'es pas amour. Quittez devant nous, allez évangéliser. Allons évangéliser, allons gagner les âmes pour la cause de Christ. Descendons, allez évangéliser. Toi, depuis tu dis que tu évangélises, ça fait 30 ans. Tu es dans le village seulement. Tu n'as pas vu que tu doubles seulement ton CPL là, d'évangéliste. Oh, Jésus dit, tu seras témoin en Jérusalem. Judée, Samarie, demandez aux gens de la Côte d'Ivoire. J'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? J'ai fait la plupart des pays européens. J'ai fait la plupart des États-Unis. Je suis en train d'entourner africaine. Ce n'est pas un débat. C'est l'appel là, que c'est ma vie. Dieu atteste mon appel. Parce que quand Dieu t'appelle, il commence par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toi, tu es toujours dans le village. Tu vois pas que c'est bizarre là? T'es doux dans ses biens. Ah, mon frère. Faut revoir ton appel. Hein. Depuis la dit le Seigneur est moi. Depuis quand il est toi. Faut te lever à l'évangéliser. Si tu ne fais pas, Dieu t'approuve pas. Si ton maître t'approuve pas, il ne va pas t'élever. Si ton maître t'approuve pas, il ne va pas t'élever. La sorcellerie est en train de détruire les gens. La sorcellerie détruit les gens. Maintenant, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Ils n'ont qu'à enlever ça dans le vocabulaire français. Ça existe dans ta langue. Pourquoi tes gens, la langue que tu parles, il y a le mot la sorcellerie dedans. Alors qu'il est. Détruisons les œufs de la sorcellerie. Vous avez compris? Les gens m'ont peur d'aller à l'église parce qu'à l'église, maintenant, c'est là même les sorciers m'ont fait WC. C'est un WC public. Petit pota là, il y a son église. Il y a pour son sorcier, c'est dans l'église. Le petit pota là, le sorcier même quand il dit Seigneur, il chie dans ta bouche dans l'église. Comment tu viens, mais tu es envoûté après le culte. Est-ce qu'on ne parle même pas de sorcellerie? Il y a des pasteurs mais qu'on perd de parler de sorcier. Quand tu parles de sorcellerie, ah non, ici, non. Toi-même, tu peux te délivrer. Non, quand même un fidèle a un problème, le pasteur après, il ne peut même pas prier pour lui. Un pasteur qui ne peut pas prier pour toi, il a un problème. Jésus dit à mon nom, chassez les démons, ressuscitez les morts, guérissez les malades. Voilà, merci. Mets-le-vous. Guérissez les malades. Il dit guérissez les malades.
ressusciter les morts. Il nous envoie guérir les malades, ressusciter les morts. Une église pour peuple. Église à Denis, Poti-Pota. T'as les sorciers même sont là-bas pour Poti-Pota. Où tu dis, Seigneur, je t'adore. Le gars, il vient, il met Gungri, prou, dans ta bouche. Quand tu viens, tu es envoûté. Tu sais même pas où tu t'en vas. Parce qu'il y a un Poti-Pota sorcier qui a déféqué dans ta bouche. Scanner les gens dans l'église. Il y a beaucoup de sorciers maintenant qui sont là-bas. Ah. L'église n'évolue même plus. Tu vas à l'église même, tu dors comme si tu étais somnifère. Le pasteur prêche, mais tout le monde a dormi. Il faut dénoncer leurs œuvres. Dénonçons la pratique du diable. La Bible dit, si vous ne croyez pas, allez lire Actes, le chapitre 10, le verset 38. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Vous êtes là, vous tournez, vous êtes là, entre en confrérie, vous asseyez, allez manger, poulet. Or, il faut aller dénoncer. Dieu compte sur l'église dans une nation. Dieu compte sur une église dans une nation. Nous sommes la lumière du monde. Mais si notre lumière là ne peut plus éclairer une nation, mon frère, il faut laisser affaire de tout, il faut aller dans le monde. Ah, c'est quoi cette histoire-là? C'est quand même l'église, les hommes de Dieu, mais ils font peur maintenant. Parce qu'ils sont devenus comme des DJ. Voilà, parce que quand tu as une faveur, tu as la notoriété, on t'attaque. Tu es un homme important, on t'attaque. Parce que c'est Dieu qui élève les gens. Ce matin, je disais sur la plateforme de WhatsApp, j'ai dit, frère, si Dieu te donne une prophétie, tu vas rencontrer, tu vas vivre d'abord le contraire avant de rentrer dans la réalisation de la prophétie. Écoute-moi très bien. Le jour où tu vas commencer, Dieu dit, ainsi par l'Éternel, je vais t'élever sur une nation. Vous commencez à avoir peur, pleurer, hein, parce que tu vas rencontrer le contraire. Parce que quand on a dit Joseph, Dieu montre l'élévation. Joseph, on l'a jeté dans le puits. L'humiliation, c'est la prison. Pour que Dieu t'élève, tu connaîtras l'humiliation. Parce que quand les gens ils parlent de Dieu, quand ainsi par l'Éternel, mais ainsi par l'Éternel, Jésus là, aujourd'hui son nom au-dessus de tous les noms. Mais pour que son nom soit au-dessus de tous les noms, mais ce nom là, ils avaient peur de ça à un moment donné. Il y a eu la croix, il y a eu l'humiliation. Excusez-moi, Jésus a été mis nu à la croix. C'est ce qu'on appelle l'ignominie, la plus grande honte. Mais Dieu l'a élevé. Mais quand une prophétie sonne sur ta vie, tu vivras d'abord le contraire avant de rentrer. Dieu dit à Abraham, va, je te donne un territoire. Et le territoire là, ça sera un territoire où coule le lait et le miel. Je te donne. Quand Abraham a reçu la terre cananéenne, il y a eu la famine. Il y a eu la famine, Abraham a vécu le contraire. Il y a eu la famine, il a fui l'année en Égypte. Quand Dieu te donne une prophétie, c'est ça qu'il faut enseigner l'église. Moi, je suis prophète de l'Éternel. Donc, je vous enseigne le prophétique. Mais en même temps, le prophétique, nous, on est dans le mystique. Parce que ça vous choque, on dit mystique, ça dit mystère. Donc, nous, là, on vient pour consacrer des nations dans les villes là, où il y a les esprits bizarres. C'est là-bas que Dieu nous envoie pour détruire cette présence satanique et pour imposer la seigneurie. Mettez le cœur, il y a les sorciers là. Allez, mettez le cœur, partagez ce direct. C'est comme ça les autres font. Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler la vidéo. Mettez les cœurs. Les sorciers n'aiment pas ça. Mettez les cœurs. Et partagez. Je suis là. Voilà. Donc, c'est une question dont on ne parle pas beaucoup. Hein. Si tu as gros cœur, je demande un débat télé. Débat télé avec tous les plus grands, 5 grands sorciers de Lomé. Je demande débat télé visé. Chacun va montrer sa puissance ici à Lomé. Je demande ça officiellement. Voilà, c'est là il peut parler. Et puis balancer cette vidéo, ça va rentrer, aller chez qui de droit. Et puis, 5 sorciers mystiques de Lomé sur un plateau télé. Vous êtes 5. Vous venez. Voilà, je vous invite, si je suis à Lomé, je suis à Lomé, voyez ça ici. Pourquoi vous êtes en train de m'amuser? Voici Lomé qui est là. Voilà, Lomé. Voilà. Voilà, donc j'ai besoin de 5 sorciers ou les vaudumans, les angoisseurs les plus dangereux.
Je vous invite à un débat de télé. Faut pas vous aller, faut pas vous demain vous a dit non, il a parlé. Non, moi quand il parle, je suis un homme, je suis dans la pratique. Mon ministère est plus pragmatique. Donc, mon numéro c'est 00337 55 30 87 48, c'est mon numéro WhatsApp. Vous rentrez là-bas pour dire on est d'accord. On est d'accord, vous rentrez là-bas, tu dis qu'on est d'accord. Et puis, on démarre, nous allons démarrer un débat télé. Moi, je demande un débat télé avec tous les plus grands sorciers de Lomé. Je demande un débat télé. Ce n'est pas une question de non comme ça, non. Chacun fait la démonstration. C'est-à-dire, chacun lance son pouvoir. Parce que moi aussi, j'ai un pouvoir, moi. Vous allez essayer, vous êtes les premiers. Mais si moi j'essaye, vous n'allez plus parler. Je vais vous mettre tous à terre. C'est lui qui est sorti de ce débat télé vivant. Ah, c'est que moi il ne servira plus Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Gardez cette vidéo-là. Voilà. Moi je suis pas là. Moi je suis pas là dans les tabatama. Tu peux tout dire du prophète Crasso. Mon frère, l'onction de la destruction de la sorcellerie là. J'ai ça. Dieu m'a donné ça. Je suis unique. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce n'était pas de l'orgueil. J'ai ça. Voilà. Dieu m'a donné l'onction là. J'ai ça. Il n'y a pas un sorcier qui va me rencontrer comme ça et puis dit le sorcier m'attaque. Tu m'as attaqué, ton cerveau s'explose. Et puis moi-même, je suis rentré dans une autre dimension maintenant. Ouh. Ah, je suis dans une autre dimension. Non, mais je ne dis pas ça pour t'effrayer, parce que si je dis ça, ils vont porter ma voix petit peu. Bon, viens à l'émission télé, il faut venir. Viens à l'émission télé. Je demande 5 sorciers. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Pardon, pardonnez, oh, pardonnez. Mon ministère l'avait testé. L'ensemble l'avait testé, si c'est encore là. J'ai tenté de regretter. Si tu attendais pour dire non, bon, je vais venir. J'ai un petit pouvoir de vaudou. Tu as un témoignage. Donc je suis à Lomé. Voilà, je suis à Lomé. Voilà. Église où on vient, les chrétiens, les pasteurs. C'est à cause de ceux-là. C'est à cause de la manière de gérer les âmes. Les gens ne vont plus à l'église. Vous ne priez pas pour les gens. Vous ne parlez pas de la sorcellerie, etc. Donc je vous dis, je vous lance un défi. Je suis là. Voilà. On m'appelle le maréchal. Prophète Joël Crasso, c'est mon nom ça. On est ensemble, j'ai fini de parler. Maintenant les sorciers venez. Émission télé, plateau de télé. Et puis on va parler. Si c'est chez vous là, il y a Dieu là, on va voir. Si c'est chez moi, voilà, on va voir qui a raison. Voilà, c'est pas un débat. C'est pas une question de non, il parle trop. C'est ça qu'il faut éviter. Je ne vais pas trop parler. Je vous invite au plateau de télé. Venez. Si ta ceinture, tu n'as pas mis au rein là. Si ça n'a pas bloqué tout terrain, tu vas faire AVC en pleine mission. Tu vas vouloir te concentrer. Ton cœur explose. Boum. On dit là, il y a arrêt cardiaque. Moi, mais cherche ça. Moi, je ne suis pas là pour. Non, 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 non. Je suis dans la démonstration. Si tu veux, prends ça comme quelqu'un qui est orgueilleux. Je m'en fous de ça. Il y a eu un homme dans la Bible qu'on appelle Élie, il a lancé un défi à les prophètes de Baal. Moi, je suis un homme qui lance. Moi, c'est mon ministère, c'est lancer un défi aux sorciers. Moi, c'est mon ministère. Chacun a son ministère. Il y a des pasteurs qui sont là. Moi, je suis maréchal de la brigade unique au monde. Voilà. Les gens disent, mais pourquoi tu portes la Bible rouge? J'ai dit, allez voir dans Esaïe 63, vous allez voir le verset. Moi, il y a tous les versets. Je suis en train de finir mon doctorat en théologie. C'est-à-dire, je maîtrise la Bible avant de prêcher. Je connais la Bible. Donc les sorciers, venez, oh, venez, je vous cherche. Je vous cherche, le brigade, le Baïcha est là. Déjà même, là, la ville est sous embargo depuis hier, avant-hier nuit. Avant-hier nuit. Voilà. Voilà, les sorciers, les blancs ont tué les sorciers. Je ne vous ai pas dit les tuer. Mais tant que l'Afrique ne se lèvera pas, pour combattre la sorcellerie, il sera difficile aux Africains de s'en sortir. Parce que la sorcellerie met frein au développement. La sorcellerie, là, ça bloque le développement. Les agents du diable, les ignares et les enfants de Satan,
quand on parle de sorcellerie, ça les énerve. Mais c'est parce que votre papa, on dénonce votre papa. Voilà. Quand on parle de votre papa, vous êtes énervé. Hein? Donc, la sorcellerie est une réalité. Hein? La sorcellerie est une réalité. Moi, je mets des filles. Je lance des filles aux sorciers. C'est tout. Et là, des filles. Vous êtes dans une ville, tous les sorciers sont là, vous ne leur dites rien et vous prêchez seulement l'évangile. Hein? Invitez-la sur un plateau de télé. Tu es prophète dans une nation et puis il y a un vaudouman là, ça ne te dit rien. Le vaudouman est là et tu veux prêcher l'évangile. Il faut demander la puissance de Dieu. C'est l'église, c'est une comme affaire de Stamania. Vous avez peur des sorciers. Un pasteur qui a peur des sorciers, c'est qu'il est agent du diable. Un pasteur ou un prophète qui est dans une église, il ne prêche pas Jésus. Et il ne parle pas de la sorcellerie, c'est que lui-même il a un problème. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc c'était le prophète Crasso. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Voilà. On est ensemble. Voilà, donc on est ensemble depuis Lomé.